Sécurisation et sommet de la francophonie, la commune d'Ivat fin prête. En tant que portail de la capitale, la commune d'Ivat sera incontournable du sommet de la francophonie. À quelques jours du sommet, la commune d'Ivat est fin prête à l'accueillir. Des dispositions ont été prises par le maire et son équipe. L'embellissement de la commune, l'assainissement et l'infrastructure sont toutes en position, a fait savoir Pindirandinarsou, maire de la commune d'Ivat. En effet, l'ensemble du personnel, tous services confondus de la commune, est mobilisé et impliqué. Des consignes ont été données au niveau de la police communale afin d'assurer la sécurisation des invités durant la francophonie. La route de Mamour et l'aéroport est inaccessible aux transports en commun. Ces derniers doivent emprunter la route de Mamour à la pharmacie, a indiqué le maire. Les pousse-pousse et les charrettes sont également interdits de circuler sur la route d'Ivat durant le 16e sommet de la francophonie. La commune d'Ivat est la plus fréquentée par nos invités, poursuit le premier responsable de la commune. La sécurité est également l'une de ses priorités.